Jason, ça le fripouille. Ça va? Bah ouais. Okay. Bah je... J'étais en train de lire. Elle est arrivée? Elle est arrivée. Ouais, bah on shoot. Bah ouais, bah moi je suis toujours prêt. Toujours prêt. Maintenant. Bon, j'arrive. Michel, elle est où la jungle? Elle est là? Non, elle est dans la hausse, on n'a pas le temps, mais qu'on y va. Allez, on y va, allez. Ok, sympa Michel, mais de toute façon, avant de vous montrer la veste, faut quand même que je vous raconte comment ça s'est passé, non? Chez Bonne Gueule, mon métier, c'est d'être styliste, et c'est d'être rédacteur, mais j'ai un troisième métier, méconnu, hein, c'est d'insister lourdement auprès du chef de collection, Julien, pour essayer de faire en sorte qu'il fasse tes produits que je veux. Et un jour, je lui ai dit, Julien, ce serait pas mal quand même si t'invitais des gens du Pôle Édito à créer des produits avec le Pôle Produit. De bien nommé. En fait, Nicolo, mon collègue, avait déjà fait ça en 2019 et finalement, je crois que c'était un énorme appel du pied pour lui dire « Et moi ? Et moi, je pourrais faire ça aussi, s'il te plaît ?» Et Julien, le 16 novembre 2020, à quelle heure il était ? À 15h14, pour être précis, m'a envoyé ce message. Je me demande quand même si c'est pas parce que je m'appelle Jordan qu'il a pensé à moi pour la capsule USA. Mais bon, j'étais chaud pour créer la veste. Et puis, l'euphorie du début a laissé place à un moment de doute complet. Est-ce que j'en étais vraiment capable au fond? Alors je suis revenu sur toutes les choses que j'avais créées. Voilà, c'est l'entrée du grenier. Donc je suis venu équipé. Je suis venu avec ça. Bien sûr. Frontal. Ça, c'est la classe. Et puis ça, bien sûr. Quelque part ici, il doit bien y avoir quelque chose que j'ai créé, non? Je sais pas. Un truc? C'est pas possible. Je continue. Il est pas facile, ce grenier. Alors, la réponse, est-ce que j'ai déjà créé des objets, des trucs dans ma vie? La réponse est non. Voilà, donc ça me rassure pas du tout, je suis... Ah si, attendez. Voilà, ça c'est mon niveau de créativité manuelle. Ça, je sais faire ça. Mais toi aussi probablement. Donc voilà, c'est... Donc mon point là, c'est que j'ai jamais créé un objet de mes mains, donc un vêtement encore moins, et ça me rassure pas du tout. Donc je pense que ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais demander à mes parents, ils connaissent bien, s'ils pensent que j'en suis capable. C'est tout. Alors, papa, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois que je suis capable de créer un vêtement? J'ai toujours trouvé que t'avais beaucoup de talent. Ouais. Ouais, Julien. Ouais, c'est Jordan. Oui, en fait, tu m'appelles en même temps. Ça va? Ouais, nickel. Écoute, je voulais te dire que j'avais réfléchi et à propos de la veste. Et ouais, je veux la faire. Je suis trop chaud pour la faire. Je sais pas ce que ça va donner, mais écoute, ouais. Oui. Et effectivement. Et il faut pour quand un petit peu toutes les... Tout ce qu'il y a dans ma tête, tout ce que j'aimerais bien qu'on fasse. Ouais, pour hier. C'est drôle. C'est très drôle, j'adore. Ok, bah écoute, bah faut déjà que je choisisse un petit peu quelle veste je veux faire, mais trop chaud. Allez, c'est parti. Ça fait à peu près une heure que je roule, que je suis parti de Cognac, je me suis arrêté à côté d'un étang, l'étang de Belou. Eh oui, la Charente elle est beau, non? La Charente est belle. Et en fait j'ai réfléchi à cette veste, donc je voulais vous faire part sur la route de mes réflexions. Au début j'ai pensé à une belle veste en dénim, parce que ça manque dans l'offre de Bonne Gueule, on en a plus, on en avait une, mais on en a plus, mais ça fait encore du bleu.
Et puis, je sais pas, j'avais envie d'autre chose. Alors après, j'ai pensé à quelque chose, mais je pense que personne n'allait me suivre sur ce coup-là. C'était une veste western en cuir suédé, fauve, avec des franges. Bon, avec ou sans franges. Parce que j'en avais vu une en friperie et j'ai hésité à la prendre et je l'ai pas prise et je m'en mords les doigts. Et après, et finalement, j'ai eu une illumination et j'ai pensé à une veste, la Jungle Jacket, parce que c'est une veste que moi je voulais tout le temps avoir. Je me disais tout le temps, tiens, si j'en avais une dans mon vestiaire, et ben ce serait beaucoup mieux, bien sûr, je m'habillerais mieux, etc. Et ben en fait, je vais pas lâcher cette jungle, je vais la créer. Ouais. Bon, je suis hyper excité par ce projet-là. J'espère que ça vous plaît, que ça va vous plaire, parce que sinon, si jamais ça vous plaît pas, si ça fait un fiasco, on peut dire bye bye à Jordan qui prête main forte au pôle édito. Bon, j'espère qu'ils vont pas me virer pour autant, mais voilà. Vamos, comme on dit en Charente. Et maintenant, au travail. J'ai commencé par dessiner des vestes, mais ça ne marchait pas pour la simple et bonne raison que je sais faire des trucs, mais ça, je sais pas le faire. Ce que je veux comme coupe, déjà, je veux en fait une veste qui soit droite, qui soit un peu ample. Les formes, maintenant, on en met 4 comme l'original. Les poignées de manche comme une chemise en fait, avec un petit soufflet aussi, mais pas de pression. Et est-ce qu'on mettrait pas un cordon de serrage à la taille? Non. Le col maintenant, et c'est peut-être là que je vais vous surprendre, mais pour moi le col chemise des Jungle Jacket originales, je le trouve pas très beau. En fait, je trouve qu'il est disproportionné et tout petit par rapport aux poches qui sont elles volumineuses. Et du coup, j'ai pensé à un autre col, donc avec plus de volume, et qui est un petit peu différent aussi parce qu'il c'est un peu un col requin comme ça. Il fait un peu penser au col de Teba Jacket, ou même, j'ai remarqué ensuite, la M65, quand le col est à plat un petit peu, ben, il ressemble à ça. Mais pour moi, il manque quelque chose, comme un supplément d'âme en fait, en ajoutant quelque chose, et c'est dans la doublure que ça va se passer pour moi. Et je vois bien un tissu bandana, puisque c'est vraiment le tissu de l'Amérique, quoi, l'Americana, qu'on va rajouter à l'intérieur pour faire les sacs de poche. Et aussi, histoire de détourner un petit peu ça, la forme originale, eh bien, je vois bien une étiquette un petit peu volumineuse et sur laquelle je vais mettre des petits mots, des petits calembours, des trucs. Bon, hop là, reste plus qu'à déterminer la matière et la couleur. Pour la matière, je sais pas, je veux un coton, je pense, coton ou coton lin. Coton chambre, je sais pas, mais en tout cas pas de ripstop comme sont les originales, vous savez, le quadrillage qui permet de pas les déchirer, on va pas aller dans la jungle avec, donc il y a pas besoin que ce soit solide comme ça, mais je sais pas, on va chercher la matière. Pour la couleur, je pense que on va rester dans du vert, parce que égoïstement, j'ai pas de veste verte comme ça, et c'est ça qui me manque, c'est pour ça que je crée la Jungle Jacket aussi, c'est égoïstement pour en avoir une, quoi. Bah ouais, et puis mais pas un vert plat. On va voir ce qui est possible de faire. Je voudrais qu'il y ait des nuances, des trucs. Un aspect un peu vieilli, peut-être, Et voilà le travail, mon vieux, vite et bien fait. J'envoie tout ça à Julien. Et maintenant, eh ben, je peux me permettre simplement de me relaxer et de rêver un petit peu à cette belle pièce qu'on va créer. Psst, Jordan. Dieu ? Ah non, c'est Julien. J'utilise un vocodeur parce que je veux rester anonyme. Tout le monde n'aime pas se pavaner dans des vidéos YouTube, tu sais. Et dis-moi, t'as pensé au poids de ce tissu? D'ailleurs, c'est quoi? Du coton, du lin, du coton chanvre, coton lin, lyocell, fibre de bambou? Et tu veux quoi? Du twill? Du ripstop? Quoi comme tissage? Des boutons? Quelle couleur? Quelle matière? Quelle forme? Ils seront cachés ou apparents? Le bandana, tu veux quoi à l'intérieur? Et le dos de la veste? Et les comment? Les poignées, les finitions, les coutures, les gants? T'as pensé aux gants, Jordan? Et c'est dans tout ce bordel là qu'il faut que je choisisse? Voilà, c'est ça. Ok, il y a combien de liasses? Je préfère pas te le dire. Ouais, j'ai pas envie de savoir de toute manière. T'en sélectionnes 5, d'accord? Ok, boss. Un truc là que j'adore, c'est un tissu 100% coton de chez Shibaya, les japonais. De toute façon, il y a vraiment là que des trucs chez les japonais qui me plaisent, enfin pas que des trucs, il y a aussi Velcorex, c'est pas mal. Enfin bref, je vous parle d'un truc japonais là, pour le coup, je vous montre. Attendez, j'arrive. Je sais pas si on voit bien là, mais c'est une sorte, enfin c'est un 100% coton, ça a été séché au soleil,
Et en fait, ça donne une espèce de... C'est presque gaufré, ça donne un côté un petit peu... presque vieilli, en fait, avant l'heure. Et il y a des teintes qui sont hyper intéressantes. Je vais creuser ça. Je remets où j'ai pris, hein, Julien. Je dérange pas tout. Je suis quelqu'un de sérieux et d'assidu et de respectueux de ton travail. En théorie, j'ai trouvé. Et de 5. C'est bon, j'ai... Bon alors, t'en penses quoi de ces 5 là? Premier? Non, elles sont sérieuses, Jordan. Celui-ci c'est absolument parfait, rien à dire. Ouais, moi aussi je l'adore celui-là. Ah, voilà un beau tissu. Pour un maillot de bain, ce serait super. Alors ça c'est oui, t'as l'œil, gamin. Ouais. Bon et ça, on n'est pas Zara, donc non. Ok, bah moi ça me va, écoute. En plus c'était mes deux préférés, donc ça tombe bien. Pour les poches intérieures de la veste, et puis ensuite les gants. J'ai pensé qu'un bandana, un tissu bandana, ce serait pas mal, parce que bah, c'est l'Amérique, hein, après tout. Et donc Julien, le chef de collection, m'a dit, mon petit pépère, oui il parle comme ça, j'ai deux choses à te proposer, il a galéré à trouver ces tissus-là, et donc vous avez ces deux motifs. Et après bien sûr, il faut se projeter parce que ça va être teint, donc si on prend ce bleu-là, on sait pas trop ce que ça va devenir. Ça va être plus marron, mais dans quelle mesure, on sait pas, est-ce que ça va tirer sur le vert? On sait pas non plus, donc c'est un peu un pari. Et de ces deux motifs, en fait, j'ai pris celui-ci. Parfait, maintenant on va monter un prototype de veste avec chacun de ces tissus pour voir laquelle on préfère. On l'appelle comment d'ailleurs cette veste? Denver. Denver? Parce que c'est une base militaire, et puis aussi parce que ben, la jungle jacket, rapport à son passé militaire. Ah bon, Denver, le père du dinosaure. Non mais laisse tomber. Non. Bon, j'y vais, Julien, maintenant j'ai de la route jusqu'à Bordeaux. Non, mais t'en vas pas, on vient juste de commencer. Ok. Eh ben, on y va. La suite, c'est beaucoup de. Jungle Jacket. Et un peu de. Denver, mon dernier dinosaure. Jusqu'au jour où. Alors, je comprends pas pourquoi c'est blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'ils ont oublié le garment dye. Ils ont oublié de teindre tout simplement la veste. Ouais, donc j'ai voulu un col un petit peu différent pour ce proto là. C'est un col qui est vraiment un peu comme celui-ci. Enfin, c'est un col qui est requin. Et puis après, quand on le monte, ça donne quelque chose qu'il faut que j'essaye hein, parce que c'est. C'est un petit peu haut. Faut voir ce que ça donne. Après, comme c'est plutôt un vêtement pour porter à la mi-saison, c'est pas très grave si le col est ouvert comme ça. Et je trouve que le tissu est vachement beau. Je trouve que les poches poitrine sont. Et les poches en général, les quatre là, sont plutôt bien proportionnées. Pour aller récupérer la chose dans la poche, c'était mieux qu'elle soit un petit peu de biais. C'est plus facile d'accès. Ok, c'est pas mal ça. On va passer à l'autre. Alors celle-ci, c'est plus. Une jungle jacket traditionnelle, bon, il y a un col qui est plutôt, qui est un col chemise, et c'est un col qui est traditionnel hein, sur ce genre de veste. Et vous avez sinon les boutons qui sont, qui sont cachés et qui sont, on a une doublure ici, enfin, une surépaisseur qui fait que les boutons sont protégés. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Alors je pourrais vous passer toute la réunion parce que je l'ai filmé, mais le vlog durerait des heures. Donc je vais plutôt vous résumer ce qui s'est dit. Tu vas bien? Ah oui, ça fait plaisir. Alors ces vestes, il me demande. Moi je dis pas mal du tout ça. Ensuite il me dit, ah tu sais, celle qui est crue, c'est un oubli de teinture de la part du fabricant, hein. c'est pas intentionnel. Et moi je dis, mais elle est trop bien comme ça. Je me demande même si on pourrait pas la faire écrue plutôt, en faire une déclinaison. C'est le moment de vous dire, si jamais vous aimez bien la veste en écrue, bah dites-le en commentaire. Faites du lobby aussi, ça pourrait me servir.
Bon, là, il me dit assez discuté, il faut qu'on choisisse entre ces deux tissus. Et moi, je dis que je sais pas parce que j'adore les deux. D'un côté, j'adore l'aspect vieilli, vintage du tissu japonais qui, en plus, a un processus de production inédit. Donc, il y a des choses à raconter et moi, ça me va. Le soleil, le vent, le Japon, c'est du pain béni pour moi. Et d'un autre côté, il y a le manufacture métis, donc le tissu blanc, le coton organique, le relief du coton lin, le fait que ce soit tissé en France avec ce slub là qui me dit bien. En fait, je sais pas trop quoi choisir. Et là, Julien m'annonce un truc, c'est que les Japonais de Shibaya, donc pour le tissu vert, ils ne s'engagent sur rien par rapport à leur teinture. Comment ça va évoluer? Comment ça va réagir au soleil? Autrement dit, c'est assez risqué. D'ailleurs, on le dit. Du coup, ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, c'est que j'ai porté la veste. Je l'ai porté beaucoup. Tout le temps. Histoire de vérifier qu'on prenait quand même pas trop de risques. On finit la réunion en se disant qu'on n'a pas tranché, mais que de toute façon, faut qu'on se voit, parce qu'il faut qu'on parle de la coupe, des poches et de tous les autres détails. Allez. Je vais à Paris. Armé de mon petit stylo magique, j'annote à même la veste, tous les détails, les choses qui ne vont pas. On remonte les poches de 1 cm, 2 cm, 1,5 cm finalement. On les décale un petit peu, la coupe, comment on la veut. Bref, c'est du travail de fourmi et c'est laborieux. Mais c'est très important parce qu'après l'esthétique de la veste va dépendre de tout ça. À ce moment-là, il reste quand même toujours la question du tissu qu'on va utiliser, toujours pas tranché. Il est quand même pas mal ce tissu là. Moi j'aime bien les petits slubs là, c'est assez joli quand même. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un trou! Oula, on a peut-être un problème. Ouais, je sais pas, on va voir. Oh merde! Merde! Julien, j'ai choisi, on va prendre le Shibaya. Et je préfère, il est mieux. Ah bah tu vois quand tu veux. Oui, ce qui se passe avec les manufactures métis, c'est que eh ben, la matière est trop fragile. Et que du coup, bah, ça, le choix est vite fait comme ça, mais je suis... parce qu'en fait, si vous voulez, au niveau des poches, sur les poches, voilà, les coutures ici ne tiennent pas. On a quand même des surépaisseurs qui font que la matière est très sollicitée. Et puis si elle ne tient pas là, juste pour le premier proto, c'est pas la peine. On va avoir des retours clients tout le temps. On va avoir une matière qui lâche. Pas satisfaisant. Donc non. C'est la Sunny Dry, c'est la japonaise, Shibaya. Et je suis assez content parce que plus je la regarde, plus je trouve que c'est exactement ce qu'il faut. Il y a des petits reflets marrons avec la teinture et en fait cet aspect gaufré que j'adore. Et oui, surtout la teinture en fait donne un aspect qui n'est pas uniforme, même si c'est discret, et qui fait qu'en fait chacun aura un petit peu son exemplaire à lui. Mais ça me plaît. Et finalement, moi j'aime beaucoup l'histoire de ce tissu parce que c'est un tissu qui est d'abord teint à la main. C'est pas rien. Et puis ensuite, il est exposé au vent fort de... Enshu no Sorafu. Merci. Et ce vent, il se fitait dans la région de... La région de Shizuoka. Merci. Et du coup, après, il est exposé à beaucoup de soleil. Toute l'idée de ce tissu, en fait, c'est de donner un aspect naturel. Et du coup, il n'y a pas de pression sur le tissu d'origine mécanique. En fait, c'est vraiment à la main. Et en fait ce que j'ai pu lire, c'est aussi qu'il est donc séché au soleil, comme je vous disais, et ce fait qu'il soit séché au soleil et au vent, et ben c'est ça qui va lui donner cette espèce de charme. En fait, c'est vrai que quand vous prenez ce tissu en main, je sais pas, il y a un petit truc qui opère, il est à la fois simple et à la fois charmant. Il y a quelque chose qui m'a séduit. Bon, et puis en plus le Japon et l'Amérique sont liés quand même stylistiquement. Bon, ben je retourne à Bordeaux. Et depuis ces premières modifications, deux autres protos ont suivi. C'était vraiment une question de millimètres souvent, d'ajustement de poche. Et puis un jour, un beau jour, elle est arrivée. Ouais, Jason, ça le fripouille. Elle est arrivée? Bonjour. Michel, elle est où la jungle? Elle est là? Non, elle est dans la hausse, on n'a pas le temps, mais on y va. Là. Allez, on y va, allez. Et c'est là que j'aurais dû vous montrer la veste, le proto final, sur moi pendant le shooting. Mais bon. Mais ça s'est pas passé comme je voulais. Expliquer que il pleut, hein. C'était... Par exemple, ouais, donc là, oui, effectivement, un petit peu de contexte, il pleut. Allez, un petit bain. Donc on est en train de patienter dans la voiture pour shooter cette capsule USA. Donc je me suis dit autant mettre à profit ce petit temps qui nous est donné quoi, entre copains. Allez, regardez-moi ce petit col que j'ai créé spécialement. Là, vous avez les poches caractéristiques de la Jungle Jacket au nombre de 4. Et celles-ci, elles vont être un petit peu plus inclinées. La petite surprise du chef. Voilà, merci Luke.
parce que je suis entouré pour ce vlog, là j'ai des techniciens tout autour. C'est un petit bandana, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais envie de customiser un petit peu, puisque c'était une veste que les hippies se sont réappropriées. Et donc le bandana japonais, voilà, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et vous avez aussi cette petite, on la voit là, look. Et enfin voilà, je vous laisse découvrir cette étiquette dont je suis très fier. Enfin voilà. Vous en pensez quoi? Bah, je pense qu'on peut couper, hein, c'est bon. Non, je sais ce qu'on va prendre. On va prendre une pomme et un des couteaux de Ben. On va faire un truc comme ça. En plus, j'ai pas pris de dessert.